Audition à huis clos, à la demande de Jacques Servier, c'est-à-dire sans journaliste. Le président des laboratoires du même nom a d'ailleurs tenté d'échapper à la presse. Seul BFM TV avec Julien Jacquet a pu réaliser une image de son arrivée au Sénat. À la sortie, Jacques Servier semblait plus décontracté. Un petit signe en passant aux journalistes sur le fond. C'est sa directrice générale des affaires extérieures qui s'est chargée de résumer cette audition pour dire que les laboratoires étaient heureux de s'exprimer. Officiellement du moins. En revanche, dans le détail, il refuse toujours de souscrire à ce chiffre de 500 à 2000 morts qui ressort de plusieurs études scientifiques. Écoutez cette réaction recueillie par Timothée Leblanc. Dans la base de pharmacovigilance aujourd'hui, effectivement, on a 38 personnes qui sont mortes, qui étaient en train de prendre du médiator, mais qui ne sont pas morts parce qu'ils avaient une valvulopathie. Les personnes dans cette base de données, qui prenaient du médiator et qui sont morts de valvulopathie, mais il y en a 4 aujourd'hui. Et nous sommes en train d'essayer de comprendre exactement ce qui s'est passé chez ces patients. Donc vous reconnaissez 4 morts aujourd'hui? Un long silence, pas forcément facile à interpréter. Lucie Vincent avait besoin de reprendre un peu d'eau. On sent surtout que devant les questions gênantes, chaque mot est soigneusement pensé et réfléchi. J'ai entre les mains la déclaration prononcée par Jacques Servier devant les sénateurs tout à l'heure. Il parle, lui, d'une préoccupation majeure à propos du scandale du médiator. Cela ne veut pas dire pour autant que le laboratoire reconnaît une quelconque culpabilité présumée.